bienvenue sur astroéthique.fr, le site qui vous connecte à vos alliés d'évolution. Qui sont vos alliés d'évolution? Eh bien, c'est toutes les personnes que je vais mettre à votre disposition sur astroéthique.fr V2, bientôt. Il ne faut pas m'en vouloir, hein. J'ai un Saturne, même qu'il est revenu direct, il est toujours carré à mon soleil. Alors, ça prend du temps. Et puis, c'est l'été. Alors, l'été, on se pose. Et puis, pour maman Sandrine que je suis, l'été, c'est important. C'est le moment où je me pose, je m'occupe de mes petits. Et voilà, ça, c'est plus fort que tout, hein. Je suis ascendant Lion, hein. Mes loulous, c'est mes loulous. Donc, voilà. Donc, bientôt sur astroéthique.fr V2, il va y avoir des alliés d'évolution, des astrologues, des voyants, des numérologues à votre disposition pour vous aider à évoluer, parce qu'à un moment dans notre vie, on a tous besoin d'un allié d'évolution. Et qui sont les autres alliés d'évolution? Eh bien, ce sont les planètes, c'est l'univers, c'est ce tout auquel on est connecté. Et puis, je suis là pour vous en parler et pour vous parler des énergies qui nous accompagnent en ce moment. Et en ce moment, ça bouge carrément. Donc, j'avais besoin de faire un petit billet, de vous expliquer ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, on a eu cette pleine lune, là, lundi, moment de pleine conscience, qui a fait démarrer des nouvelles choses, des nouvelles énergies, une nouvelle conscience, une nouvelle façon de regarder la vie. On est dans les énergies du lion en ce moment. Un bébé royal qui est né sous le signe du lion. Le signe du lion, c'est le signe de la grandeur, de la royauté. Donc, il est né sous une pleine lune en lion avec une Vénus en vierge. Qu'est-ce que ça vient nous dire? Parce que bon, la couronne d'Angleterre, c'est quand même quelque chose d'important, c'est pas n'importe quoi. Et bien, cet enfant-là, ce petit garçon, il a Vénus en vierge, le signe du service, où on se dédie aux autres, où on donne tout aux autres. C'est ça la nouvelle royauté, c'est ça le nouveau message d'amour. Ben, c'est que maintenant, voilà, pour être un roi de l'amour, un roi lion, il faut être dans le cœur, dans le vrai cœur, et dans le service, dans l'amour des autres, dans la délicatesse de Vénus en vierge. Voilà, je trouve qu'au niveau de la symbolique, c'est très beau, c'est très fort, c'est très puissant. Cette Vénus en vierge, elle nous connecte à notre réalité, elle nous fait faire la part des choses, elle nous fait prendre conscience de nos valeurs profondes. Et puis surtout, là, bientôt, elle va s'opposer à Neptune. Donc, elle nous dit aussi, allez, fais des rêves, crois-y, qu'est-ce que tu veux pour ta vie? Il ne faut pas avoir cette opposition entre Vénus et Neptune comme étant source d'illusion, non. Il faut voir que Neptune apporte une énergie à Vénus en vierge, qui est très réaliste, une énergie de « imagine ta vie ». Imagine ce que tu veux pour toi. Il n'y a pas d'obligation de résultat. L'important, c'est le rêve. C'est ce que tu projettes dans l'univers. C'est ce que tu places comme envie. Et si c'est ça ton envie la plus profonde, eh ben, ça va se réaliser. On va imaginer. Tu es dans une histoire d'amour, tu rêves de quelque chose et tu projettes tout avec cette personne. Et puis, c'est ça qui compte. C'est ce que tu projettes. Ce n'est pas la finalité du résultat, ce n'est pas si ça va se passer avec cette personne. C'est comme si tu étais dans un parking, tu cherches une place, et puis le mec devant toi, il trouve la place. Tu te dis, mais ce n'est pas vrai. Non, ce n'est pas grave, il y a des places disponibles. Voilà, c'est ça ce que ça veut dire. Donc, tous les rêves sont possibles, tous les rêves sont réalisables. L'important, c'est de rêver, c'est d'imaginer, parce qu'avec notre pensée, on crée notre réalité, et de continuer à rester connecté à nos rêves, en toute conscience, en toute connaissance, en étant soi, en étant vrai. Voilà, en étant dans l'amour, en étant dans le service, en étant dans le partage, dans le don aux autres. On est toujours, bien sûr, sous l'influence de Saturne, hein, j'en parle, hein, j'arrête pas d'en parler, Saturne en scorpion au carré du soleil, enfin le soleil en lion, il va se mettre au carré de Saturne. Alors, qu'est-ce qu'il vient nous dire? Eh bien, il vient nous poser des questions essentielles, des questions véritables cette semaine. Il vient nous dire, bon, alors, tu fais quoi de ta vie? C'est quoi ta vérité? Pose-toi les bonnes questions. Qu'est-ce que tu veux pour ton futur? Sois vrai avec toi-même. Il peut aussi amener des situations extrêmement frustrantes, des situations désagréables. On peut aussi recevoir des mauvaises nouvelles, il y a des petits conflits, des tensions dans l'air, on peut avec ce carré Saturne-Uranus avoir à faire le deuil d'une situation, d'une personne, d'une situation sociale, professionnelle, tout d'un coup voir un être
tel qu'il est vraiment et non pas tel qu'on l'imaginait. Voilà, on fait face à la réalité et on est obligé d'accepter la frustration et d'être adulte. Hein. Avec Saturne, c'est souvent ça. Donc en ce moment, il y a aussi un peu de ces énergies-là. Donc il y a du très positif, de l'agréable, des choses merveilleuses parce qu'on est dans les énergies du lion. Le soleil est en lion, le signe du lion, c'est la maison 5, c'est la maison des amours, des plaisirs, du théâtre, de la jeunesse, des enfants. Il y a beaucoup de joie. Le soleil est au zénith, il brille dans le ciel. On est heureux, on a envie de vibrer. Et tout ça, il faut les capitaliser, ces émotions, parce qu'elles sont positives, elles sont bonnes, elles nous apportent des choses extraordinaires pour notre futur. Voilà. En ce moment, ce qui se passe cette semaine, jusqu'au milieu de la semaine prochaine, c'est du capital bonheur pour le futur. En septembre, les nœuds vont se rapprocher de Saturne et là, il va se passer des choses très, très puissantes. On va pouvoir enfin faire des choix, prendre des décisions très importantes qui vont sceller la destinée et ces décisions, elles vont probablement être basées sur ce qui aura été vécu cette semaine. Donc, il faut vivre ce qu'il y a à vivre maintenant. On est dans des énergies de plaisir, d'abondance, de joie de vivre, de faire ici et maintenant, de se projeter pour le futur sans obligation de résultat. Je le répète encore une fois, mais ça c'est très important, de faire des rêves, de projeter, d'imaginer sa vie, son futur, et de surtout se poser les bonnes questions. Qu'est-ce que je veux pour ma vie à moi ? En étant égoïste, mais être égoïste, c'est pas un mal, hein. C'est qu'est-ce qui est bon pour moi, parce que si c'est bon pour moi, je donne l'exemple, je rayonne, et ce que je donne aux autres, les autres en profitent, alors que si je me sacrifie pour les autres, je suis dans le pouvoir, quoi. Voilà, je me prends pour quelqu'un d'autre, pour quelqu'un que je ne suis pas. Voilà, écoutez, j'espère que mes messages sont clairs. Voilà, c'est venu comme ça, tout d'un coup, ce soir. Je ne me suis même pas mise dans mon jardin, mais je me suis dit, non, là, en fait, en ce moment, je réfléchissais à toutes les énergies du ciel et je me dis, mais non, il y a quelque chose à dire. Et voilà, c'est venu, c'est spontané. J'espère que cette petite vidéo vous plaira. Je vous fais plein de gros bisous d'amour. Je vous souhaite une belle semaine. J'espère que vous profitez de ces énergies. J'espère que vous allez bien. Et puis, je vous dis à très vite sur astroéthique.fr, V1, V2, avec les alliés d'évolution, avec les planètes, l'univers. N'oubliez pas que tout est relié à tout et que tout va bien et que la vie est très, très bien faite. Je vous fais plein de gros bisous d'amour. Et puis, vive la vie, vive l'amour. Love, love, love. À bientôt. Ciao. Thank you.